Bonjour à tous! Aujourd'hui, 5 façons d'améliorer son style. À tout de suite! Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons parler de 5 méthodes simples pour pouvoir améliorer votre style et votre personnalité. Numéro 1, dessinez tous les jours. Oui, vous allez dire, Aurore, comment on fait? Je vais faire une vidéo un peu plus complète sur le sujet, mais vraiment, trouvez des moments pour pouvoir dessiner, peindre. Tous les jours. Vous allez voir que ce processus va être un petit peu long pour certains parce qu'ils vont se bloquer, d'autres vont procrastiner et certains autres avec plus de légèreté vont s'y mettre sans se mettre de pression de faire quelque chose de beau ou d'agréable à regarder ou d'esthétique, hein, vraiment. Et ils verront que petit à petit ils y prendront du plaisir. Je vous assure. Numéro 2. Recopier le style d'un artiste. Où c'est marqué qu'il est interdit de recopier quelqu'un? Où? Il y a quelque chose qui vous plaît? Un artiste peintre que vous admirez? Allez-y, hein! Il n'y a rien qui vous interdit. La seule chose qu'il faut réellement respecter, c'est... Si vous voulez partager sur les réseaux sociaux parce que vous êtes fier de votre travail ou vous parlez de l'artiste, que c'est une copie et que vous avez eu envie de reproduire son travail et vous le remerciez, parlez-lui-en avant si vous le trouvez sur les réseaux sociaux, c'est la moindre des choses. Et ne vous en servez pas pour le vendre. C'est tout, ça c'est simplement un respect de ses idées qui lui appartiennent. Mais si c'est pour apprendre à évoluer, non, faites-vous plaisir. Moi, je pars du principe que on est toute une communauté, un monde entier, à pouvoir prendre les choses, les malaxer, les mélanger et se les mettre à sa sauce. Parce que recopier, ça ne suffit pas, évidemment. Une fois que vous avez compris le processus de l'artiste ou le processus personnel pour pouvoir atteindre le résultat de cet artiste, vous apprenez quelque chose par vous-même et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir le réinterpréter à votre sauce. Et oui, c'est ça qui fait la particularité, qui fait que vous êtes vous. Voilà. Maintenant, on passe à numéro 3. Alors, apprenez vos couleurs. Je le dirais que je crois pas assez, je sais pas combien de vidéos j'ai fait sur ce sujet, mais pour moi c'est une mine d'or. Hein. Donc utilisez vos couleurs, apprenez à les faire, apprenez à faire votre propre cercle chromatique, apprenez à faire votre grille, comprenez comment est-ce qu'elle fonctionne. Si vous avez que 3 couleurs, si en magenta jaune, restez dessus. Si vous avez décidé d'en avoir d'autres, démultipliez-les. Tentez toutes les possibilités et les mélanges possibles. Oui, ça va vous prendre du temps, mais vous allez gagner une évolution juste énorme. Je vous assure, je vous le promets. Voilà, donc toutes les possibilités des couleurs, ce qu'elles sont capables de faire. Passons au numéro 4. Alors pour moi c'est un moyen qui est évident, c'est de démultiplier toutes les techniques, tous les médiums. Qu'est-ce que j'entends par médium? Pastel sec, crayon de couleur, aquarelle, acrylique, huile. Vous allez me dire, waouh, mais ça fait beaucoup de matériel, ça fait beaucoup d'argent. Allez-y tout doucement. Utilisez d'abord des crayons de couleur et puis petit à petit vous allez vous faire plaisir au géant des beaux-arts ou je ne sais pas quel type de magasin beaux-arts vous avez près de chez vous. Mais personne ne vous oblige à prendre la totalité des couleurs, il y a des choses qui s'achètent à l'unité et c'est ça qui est génial.
Faites-vous plaisir en rentrant dans ce magasin et laissez-vous guider par quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie. Et puis petit à petit, bien, vous allez comprendre. Utiliser, apprendre à utiliser le pastel et toutes ses possibilités m'ont permis de comprendre le dégradé, m'ont compris de comprendre les transparences, m'ont compris de comprendre la douceur des couleurs et la force et le pouvoir des pigments. Utiliser l'aquarelle m'a permis d'apprendre la spontanéité, les surprises, la légèreté et le geste sûr qui permet de montrer en une seule fois quelque chose et ne plus revenir dessus. Accepter ce qui est arrivé. L'acrylique m'a permis de pouvoir travailler très rapidement. Et l'huile, au contraire, m'a permis de découvrir les glacis et pouvoir prendre mon temps sur mes couleurs. Avec l'acrylique, je peux créer 4-5 couleurs très rapidement avec 2 coloris. Mais avec l'huile, je peux en faire 30 entre ces 2 mêmes coloris. Donc ça m'a appris des tas de choses. Apprenez à utiliser de nouveaux médiums. Et la 5e, qui a un rapport avec cette 4e, ce sont les supports. Oui, oui, oui. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un support blanc. Utilisez des supports colorés. Ça vous permettra, dans votre cerveau, de réfléchir autrement pour atteindre un objectif. Ça vous permettra de découvrir vos couleurs sous un autre angle. Et puis, quand c'est une question de texture, le papier velours est juste magique. Moi, j'ai un coup de cœur pour ce support. J'en ferai une vidéo d'ailleurs. Avec le pastel sec, c'est un véritable bonheur. Ça m'a appris vraiment qu'il était possible de superposer et de découvrir mes pastels sous un autre angle, sans estompe. Il y a certains papiers à l'aquarelle. Il y en a un qui vient de chez Lana, le Lanatech. Mon, les pigments sont d'une force et ça n'a rien à voir avec un papier traditionnel qui absorbe les couleurs et qui les fixe. Ce papier-là ne les fixe pas. On peut repasser de l'eau à volonté et l'aquarelle, elle bouge dans 10 ans, même si je veux. C'est extra. Bon, voilà, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Utilisez-les, apprenez-les, absorbez-les. Elles sont pour vous, elles sont là pour vous aider à développer ce qui est en vous. Alors, faites-vous plaisir, c'est toujours le maître mot. Et moi, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe, et je vous dis à bientôt.